en fait, est un complément d'un dispositif en fait, qui a commencé depuis le début des années 2000, avec d'abord la partie de toutes les formalités préalables au dédouanement qui ont été mises sous forme de guichet unique depuis 2004. L'administration douanière de 1990 à aujourd'hui a fait évoluer plusieurs fois son système informatique, rendant le dédouanement des marchandises proprement dit facilité et simple. En moins de 2 heures, on peut dédouaner sa marchandise. Le maillon qui était le plus complexe était celui de l'enlèvement. Parce qu'une fois que vous avez déclaré et payé pour sortir vos marchandises, il y a encore un circuit avec d'autres acteurs de la logistique qui, lui, n'était pas dématérialisé. Et donc, nous travaillons depuis plusieurs mois avec la communauté des acteurs portuaires pour prendre en compte les préoccupations de toutes ces organisations, de toutes ces corporations et les intégrer dans un guichet unique. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier final parce que depuis 3 mois, nous sommes dans cette démarche de pilote et qui va vraiment projeter le Sénégal parmi les rares pays en Afrique à avoir à la fois un système de pré-dédouanement dématérialisé, un système de dédouanement dématérialisé et maintenant un système d'enlèvement dématérialisé. Donc c'est quand même une grande fierté pour les acteurs sénégalais d'avoir pu arriver à ce niveau. C'est un projet qui a commencé depuis très longtemps, mais Dieu merci, avec la volonté du directeur général du port Otoum Dakar, du directeur général des douanes et de l'ensemble des acteurs, nous avons réussi à réaliser cet outil qui va participer considérablement à la compétitivité du port de Dakar par la fluidité des opérations et par un décongestionnement et un gain de temps. Et qui dit gain de temps, dit gain financier et gain économique. Féliciter d'abord Gain de 2000 pour avoir mis en place cette application qui vient à son heure. Donc comme vous le savez, Gain de 2000 est le bras technologique de l'administration des douanes. Depuis 2000, on a créé donc le GIE Gain de 2000 et qui travaille depuis lors avec les douanes sénégalaises. Depuis le 1er janvier 2024, donc la douane a lancé la dématérialisation totale et la digitalisation. Donc zéro papier en douane, donc transparence totale, célérité. Donc ce guichet ne vient seulement compléter les efforts déjà effectués par la douane dans ce domaine. Grâce à Gain de 2000, on a organisé aujourd'hui l'atelier d'information sur la mise en place du guichet unique concernant les formalités d'enlèvement des marchandises. Donc comme vous le savez, c'est un nouveau dispositif qui s'inscrit un peu dans le cadre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC qui invite les États à une meilleure simplification, à une meilleure réduction des coûts de passage au niveau du port. Et justement, cette initiative que nous lançons aujourd'hui permettra en tout cas de réduire les coûts, les délais, parce que justement, après le dédouanement, il y a un ensemble de procédures d'enlèvement qui sont prévues et la dématérialisation de ces procédures permettra justement à l'opérateur d'avoir un gain de temps, ensuite un gain d'argent, de ressources, parce que le temps qui était consacré à faire les différents bureaux par ce biais-là et par un simple clic qui lui permet en tout cas de faire toute la procédure, lui permettra également de gagner des ressources. Mais également, ce dispositif est éminemment intéressant aussi pour l'État et le consommateur,